Fabien Ermite, bonjour. Aujourd'hui, on part sur une vidéo de la mid lane. Joyeux anniversaire Tiberno, parce que c'est un Ziggs au niveau du mid. Et Tib, comme c'est mon plus vieux viewer et qu'il aime beaucoup Ziggs, forcément, il y a un moment, on fait un petit cadeau. Puis il a un ton tout de même. Ziggs au niveau du mid. Du coup, qu'est-ce qu'on a ici? Top lane, c'est une Qiyana face à un Yone. Je connais pas tout le match-up, j'avoue. Je pense que Qiyana peut être pas mal face à Yone, parce que Yone a un pan early incroyable. Qiyana est très très forte en early game. Jungle, beaucoup de farming. Pick late game plutôt côté Karthus, pick plutôt early. Mid côté volley. Au niveau de la mid lane, Ziggs est fort assez tôt, mais c'est un très bon pick late game aussi. Kassa, très très puissant en late, mais très faible en early. Et Ziggs prend pas mal le poke sur le lane. Même si Kassa, son passif, c'est de réduire les dégâts magiques. Hein. Souvenez-vous ça, c'est pas négligeable tout de même. Et en plus, il traverse. Bon, pratique. Mais il y a aussi sa surface, par exemple. Au niveau de la bot lane, et ça va être plus fort du coup. Oh, mais c'est Tsuki! Mais c'est Tsuki en bro! Un joueur que je coach. Un trop rigolo casting en face que vous connaissez peut-être justement. Bon. Bref, peu m'importe, ici, on va aller voir comment ça va se goupiller. Il n'y a même pas de cover au niveau de la midlane, c'est pas fou. Au niveau des runes fondamentales, qu'est-ce qu'il prend? First Strike, évidemment, FS1 mêlée, les bots légèrement magiques, Cookie, Cosmic Insight, Gathering Storm et Mana Flow Bend. Ok, donc là, l'idée, c'est quoi? Hop, si vous regardez bien au niveau de la lane, il est du côté de son jungler et un Royal Ward au cas où. Classique, mais toujours pratique. Et c'est marrant parce qu'il poke pas. Attendez, parce que là, le Kassa, il va venir à la stit. Il poke pas, il est juste en train de full push. C'est assez rigolo. Ok, donc il est juste vraiment en train de full push pour le moment. Ah, et une fois qu'il est en full push, soit toi l'adverse, comme il n'y a pas de creep qui peuvent le taper, là il fait du gros poke quoi. Il en profite une fois qu'il a le push qui a été fait. Alors, évidemment, Kassa en face, qui joue Conqueror d'ailleurs, pas fait de footwork face à un poker, ça me semble un petit peu cocasse tout de même. Passage niveau 2, bon, le Kassa passe niveau 2 soon aussi. Et surtout, en fait, l'avantage, comme le Kassa a déjà claqué son Q-spell, il n'a pas de shield magique. Du coup, il attend que le shield soit plus là pour poke. Le passif qui up, mais bon, faut l'astit, hein. Le astiting reste la priorité dans LoL. Et c'est poke. Il a même claqué son Z pour poke. Peut-être un peu too much, ma foi, mais bon. Plutôt confiant. Et là, par contre, il est complètement à l'opposé de son jungler en étant placé ici. Il faut faire gaffe, c'est que son jungler, il est de l'autre côté de la map. Donc il y a pour moi danger au niveau de son placement. On verra un peu comment ça va se goupiller. Passage niveau 3, il prend pas le E, il reste avec le Q spell. Ça augmente donc comment les dégâts par niveau. 50 points de dégâts en plus par niveau, c'est vraiment pas mal. Plus évidemment, le CD qui est réduit. Bon, ça, rien d'incroyable. Ok, le Kassa qui n'a plus de potion, qui se fait out-farm, c'est normal en tant que Kassa de se faire out-farm. Et surtout, je sais pas si vous avez vu. Ok, ça c'est du petit trick, mais qui peut être important. Regardez. Regardez ce qu'il va faire ici. Pour pas que le Kassa puisse last hit, il bump le Kassa loin du canon. Et là, il lui fait perdre 60 gold. Ce qui fait à peu près 3 CS normaux en termes de gold. Voilà. Gardez juste ça en tête. Il a cancel le canon du Kassa d'un avec son bump. Donc là, le Kassa, même s'il a 17 CS, en fait, il a un canon en moins et un canon, c'est beaucoup d'or. Toujours un cookie en poche, pour le moment il est tranquille, donc il peut avoir du mana s'il le souhaite. Il joue du côté de son volibear sur la phase de lane, pas trop de problème jusque là. Est-ce qu'il va pas faire un reset bientôt? Il a une TP, il a pas de mana. Là il le met low HP pour le voli, regardez, il y a le voli qui était à côté justement. Et si le Kassa restait, voilà. Premier kill, c'est pour ça qu'il était resté sur la lane justement. Bon, il a pas énormément de mana pour push, et là je sais pas si vous avez vu, pour pouvoir push assez vite, parce que Kassa va TP back, et que lui sa lane soit bien, il a claqué le cookie. C'est cookie into reset. Juste, le cookie a juste servi à push, hein, qu'on soit d'accord. L'alarme de ADS, parce que forcément on va faire poke énormément. Avec le rubis cristal, ça se pourrait faire un chapitre perdu bientôt. Et là, comme l'a vu le Karthus tout à l'heure, il est pas en train de full push cette fois-ci. Il est vraiment en train de jouer un peu plus safe et juste de la stit. Je sais pas si vous avez vu tout à l'heure, c'est vraiment son volley est un pick early qui était par là, il en profite, il hard push jusqu'au dive. Ensuite, il claque un cookie pour pouvoir avoir du mana pour hard push, puis back TP safe. Et là, il se retrouve plus proche de sa tourelle. On joue du côté du volibear. Et ici, il n'est pas en train de full push pour le moment, parce qu'il est censé jouer à peu près weak side, tandis que le volley, il est bot side. Donc là, il n'est pas en train de spam ses spells. Il y va tranquille. Tout à l'heure, c'était vraiment du spam. Et il va un petit peu plus tranquille et hop, il a les creeps toujours près de sa tour. C'est assez intéressant la façon de gérer la lane. Et là, par contre, ok. Là, il va repartir en mode push. J'ai l'impression que le Karthus. Hop, Karthus bot, no mana. Et là, il pourrait très bien repartir en full push s'il le souhaite, du coup. Papa, la nouvelle wave qui arrive avec un sbire canon qui va lui permettre de pas mal temporiser. Et vraiment, à chaque fois, hein, dès qu'il peut, c'est du bum pour essayer de deny tout ce qu'il peut. Il n'a pas récupéré Pink Ward, par contre, ça c'est un petit peu dommage. Par contre, il a toujours deux potions en poche et le Kassa qui veut venir chercher un trade. Wait, what? Attendez. Je veux comprendre là, parce qu'il est en train. Ok. Là, il va juste faire genre, il accompagne son voli. Il aurait d'ailleurs pu aller chercher le cookie. Ah oui, là, c'est vraiment en mode le Kassa qui vient chercher le trade. C'est pas lui qui vient chercher le trade. C'est le Kassa qui veut absolument venir le chercher, quoi. Évidemment, une fois que le Kassa a claqué son R, il est obligé de s'échapper avec son flash pour éviter l'ulti. Et ça fait donc un Kassa qui n'a pas de flash pour le moment. Bon, ça reste un petit peu ardu tout de même. Et surtout, bon, c'est un Kassa qui peut le rush, hein, qu'on soit d'accord.
ça peut faire assez mal. Là, le Kassa, la seule chose qu'il protège, c'est qu'il a un shield magique potentiellement avec son Q-spell, mais il a pas assez de HP pour rester. Donc, une fois de plus, c'est Arc Push into Back. La classique, qui permet d'avoir 14-16 d'avance. Le Kassa, il farme bien en prenant en compte le match-up et tout. C'est pas très très simple. Pink Ward qui a été acheté cette fois-ci. Il a pris une potion rechargeable. On est tranquille. Et là, encore une fois, hop, il revient sur la ligne. Il fait pas de hard push tout de suite, puisqu'il pourrait beaucoup plus spam ses spells. Le Kassa qui vient chercher le trade, ça, il était attendu. Je sais pas si vous avez, mais au moment où il a vu le Kassa s'avancer vers lui, il a mis sa grenade à ses pieds. Comme ça, il peut s'échapper et s'éloigner du Kassa. C'est intéressant, parce qu'en early game, en fait, le Rift Walk ici, il est de 5 secondes. Donc une fois que le Kassa, il a été repoussé une fois, c'est tranquille, quoi, justement. C'est intéressant sa façon de gérer le trade. Par contre, là, il sait très bien que le match-up, il est plus spécialement en sa faveur. Et du coup, on n'a plus la même façon de jouer du tout. Donc, tout à l'heure, c'était vraiment jeu à touche et jeu poke. Et là, c'est vrai, il s'éloigne beaucoup plus du Kassa, en fait. Tout à l'heure, c'est il essayait d'être à peu près proche du Kassa pour pouvoir le taper. Là, il est très éloigné à chaque fois. Il joue complètement à l'opposé. Et ça, en fait, c'est rigolo. C'est une question de spacing mid lane selon le level adverse et selon les spikes potentiels. Le deuxième spell maxé, ça va être les mines explosives, justement, pour pouvoir clear, etc. être beaucoup plus gênant. Le bump, c'est juste pour bump une fois. Donc, c'est pas trop, trop problématique pour le moment. Kassa, en plus, qui doit claquer du mana avec son Rift Wall. Au moins, il n'y a pas grand chose à faire. Là, il est pas sous la tour adverse. C'est très intéressant parce que, en début de partie, on l'a jamais vu attendre sous sa tour que la wave arrive. Là, il a son voli qui est en train de faire un objectif. Il y a une prio au niveau de la top lane. Et lui, il est vraiment juste en train de se dire, bah, j'attends. Je ne vais pas grid du tout en termes de placement, quoi. Comme ça, si le Kassa veut vraiment le chase, il a des alliés qui sont de ce côté-là. C'est intéressant parce que, en mettant la vidéo en accéléré comme ça, on peut bien comprendre les différentes façons de se déplacer, de jouer la lane, selon le level adverse, selon les spikes et selon où en est son équipe. Parce que si on met à vitesse normale, en fait, on va avoir une idée globale du truc, hein, mais ça fonctionne pas de la même façon. Bon, là, c'est juste un teamfight classique où il essaie de rester à distance et de poke. Ici, il n'y a rien d'incroyable mécaniquement, c'est juste, c'est un Ziggs, donc il essaie de rester loin et de poke comme il peut avec ses bombes. Vous êtes un artilleur, donc vous êtes là pour rester à max range, par contre, ça c'est intéressant. Regardez. Twitch double buff. Un double buff, ça vaut le coup de flash. Non, vraiment, il a les dégâts. Donc là, il y a un Ziggs qui récupère le red buff. Intéressant si le Kassa s'approche pour les auto-attaques, pour le sustain que ça apporte aussi, ne pas oublier. Red buff, ça apporte beaucoup, beaucoup de sustain, un HP qui remonte extrêmement vite. Donc il peut prendre des trades perdants, il finira par les gagner après, sans problème. Il a du mana infini avec le blue buff et il a une téléportation. Donc il peut même revenir avec la TP. Il a le liandry en plus, ça. Kassa a pas trop de mana, donc là, c'est le moment du push jusqu'au bout, quoi. On force le flash du Kassa et surtout, il pourra hard push la next wave et gratter de la plaque. Parce que Ziggs est très, très fort et vous le savez, Ziggs, en fait, il a. Ça, c'est ses 4. Explose des tours qui montent 25% de HP. Vous dites qu'une barre de tourelle, c'est 20%. Voilà. Ça vous donne à peu près une idée, c'est que là, il lui manque une demi-plaque, globalement, un petit peu plus, pour aller récupérer la tour directement. Et il a toujours son blue buff, donc toujours du sustain, toujours de quoi gêner le Kassa. Faut juste pas prendre de gros trades sur le long terme avec le Kassa, quoi. Surtout un petit trade perdant, mais qui finira par remonter en termes de HP grâce au red buff, puis un autre petit trade perdant, etc., jusqu'à ce que le Kassa ne veuille plus all-in. Et là, hop, ça va bientôt être une explosion de tourelle. Very, very bientôt. Ouf, et voilà, chose faite. C'est vachement intéressant. Vraiment, la façon de jouer la lane entre le very early où tu te retrouves face à un mêlée qui ne peut pas arriver au CAC et le moment où ce fameux mêlée est beaucoup plus menaçant, c'est très différent. Il y a Lyonnais qui est top. Il a dû avoir l'information comme quoi il n'y avait pas d'ulti du côté du Lyonnais puisque là il s'avance beaucoup. Le Lyonnais, sinon, il pourra à la base vraiment le all-in salement. Bolulufsar, c'est un joueur qui joue du côté de la Turquie d'ailleurs, qu'on avait connu à la base chez Supermassive, tout ça. Donc, bref, joueur pro, hein, qu'on soit d'accord du côté de Bolulu. Regardez-moi ce grid. Ok, hop, je veux qu'on vienne ici. Parce que là, il sait que le Yone n'a pas d'ult. Problème sur la map. Quel est le problème? Choix numéro 1. Le Yone a peut-être un ult et on le sait pas. Choix numéro 2. Ses alliés sont à l'opposé de la map. Choix numéro 3. Il n'y a pas de vision. Bah, c'est le choix numéro 2 et 3, quoi. Allié là, là, un allié qui est mort. Un allié ici. Donc ses alliés sont enduits. Il y a zéro vision ici. Forcément, il y a un moment, vous le savez, on est puni quand on joue à haut niveau, qu'on n'a pas de vision, qu'on est en train de grid comme un sac. La punition, elle se fait rapidement sentir. C'est une mort qui est complètement méritée. Premier item, le Liandry. Deuxième item, c'est marrant parce qu'il a toujours pas pris les bottes rang 2. Mais il récupère de la Pink Ward à chaque fois. Regardez son inventaire. Pink Ward, toujours très important. Il a récupéré l'archange. L'intérêt de l'archange, c'est quoi? C'est ça vous apporte du sustain. Dès que vous claquez du mana, en fait, ça vous rend des HP. Très intéressant, évidemment. C'est une fois qu'il a amélioré. Hein. Mais, hop là. Bon. Hop, attendez, parce que là, on n'a pas vu le move, parce que j'entends pas l'item. Et en fait, ça vous donne de la CDR surtout. Et ça, c'est vachement intéressant. Ça vous donne de la CDR selon votre quantité de mana. Faut attendre qu'il évolue, en fait. Mais une fois que l'item va être évolué, ça va être vachement plus intéressant. Donc là, il y a quoi? Ok, donc il y a ses alliés qui sont en train de push au niveau du mid. Et lui, il y a encore un petit problème légèrement de vision. Bah ouais, petit problème de vision. Et là, Tsuki, qui vraiment le sent très bien. Ça s'est pas joué à grand chose, hein, parce que les adversaires sont très très low HP. Mais forcément, Broom, ça fait largement, largement le taf. Ah, la puissance de Broom, c'est incroyable. Ok, il a récupéré quoi ici? Un tome d'amplification.
Et là, l'idée, c'est vraiment de rester derrière les copains. Hein. Il ne peut pas se permettre d'avancer comme tout à l'heure, d'aller tout seul. Ziggs est extrêmement squishy. Artilleur dit beaucoup de dégâts à distance, tranquillement. Du poke et tout. Mais ça dit aussi que bah, t'as pas vraiment envie de trop t'approcher de tes adversaires. Là, il a plus de mana, le Tessin. Il a plus de mana, mais encore une fois, sans vision. C'est rigolo parce qu'à chaque fois que je vous parle de vision, de rester derrière les copains, pouf, il se fait punir. Et là, c'est juste du grid sur le Kassa. Donc, la suite ne nous intéresse pas. Vraiment, c'est très rigolo parce que ses alliés me disent bien. Mais lui, il a grid sur le Kassa en voulant aller chez un endroit où il n'avait pas de vision. On rappelle, il n'y a pas de vision ici au niveau du tribouche. Boum, il a été puni instantanément. Gardez bien ça en tête dans le. Selon votre rôle, vous ne pouvez pas faire la même chose. Dead Chase un peu greedy, si vous êtes un bruiser, peut-être que vous allez survivre et bait pour vos alliés. Si vous êtes un tank, ça peut se faire s'il y a des alliés pas loin. Si vous êtes un carriapé comme ça, Triscushi, il y a grand danger, il y a grand danger hein, quand même, qu'on soit d'accord. Faut se méfier. Oh, il a raté le Yonet. Bon, après, il y avait un voli derrière lui, de toute façon, ça change pas grand chose. L'intérêt Ziggs, c'est vraiment ça, c'est je poke à grande distance, donc vous êtes très très fort en phase de siège offensive sous les tours adverses quand vous allez poke, qui vont être en train de défendre. Phase de siège défensive, puisque vous avez beaucoup de clear. Mais vous êtes très très faible autrement. Pareil, hein, avant les teamfights, si vous pouvez poker, c'est cool. Mais juste un teamfight qui se rush comme deux groupes 5v5 sans qu'il y ait de poke avant, c'est dommage, c'est pas là votre plus grande force. Là, vous êtes mieux avec un Brand, par exemple. Non, mais si Brand, c'est un peu plus compliqué. Mais Ziggs intéresse, c'est que vous avez vraiment des CD très courants. Toutes les 2,5 secondes, envoyer une bombe, c'est assez sale quand même. Là, des ratios, ça donne quoi? Donc 65%, 50%, 30% mais par bombe. Donc c'est vraiment, vraiment intéressant. Et je sais pas combien de bombes exactement. Mais plus 12%, donc on a un ratio, je pense, qui est supérieur à 100%. Et ici, ouais, jusqu'à 110% de ratio. Bref, plutôt rigolo. Donc l'idée, c'est d'avoir quoi? Beaucoup de CDR. D'où tac et tac. Voilà. Ça, c'est intéressant. C'est le bonus empyréen du Séraphin. C'est vous récupérez des HP selon le mana que vous claquez. Trop bien. Trop bien, vraiment. C'est le côté un petit peu sustain. Regardez ces HP qui remontent. Et comme il y a une grande quantité de mana, ça vous permet vraiment de tenir des phases de siège. Le stuff est adapté aux phases de siège. Vous faites légèrement poke, c'est pas grave. Vous faites perdre des HP aux adversaires et vous régénérez vous vos HP. Donc vous avez une quantité de mana pas infinie, mais pas loin, quoi. Là, le game se passe très bien parce que ça se passe bien partout au niveau de la top lane, de la bot lane, etc. Mais je trouve ça très intéressant. On n'a même pas besoin d'aller plus loin dans le game parce qu'en fait, le reste ne nous intéresse pas. La game est gagnée globalement. Mais c'est bien comprendre comment est-ce qu'il a joué sa phase de lane. Si vous avez compris, vous abonnez à la chaîne YouTube. Si vous n'avez pas compris, vous abonnez quand même. Comme ça, vous apprendrez à comprendre. N'oubliez pas que je suis peut-être déjà en stream, mais vous avez tous les liens en description, Discord, le Twitch, etc. J'espère que ça vous a plu, que vous allez jouer Ziggs. Bon anniversaire, Tiberno. Et on se retrouve une prochaine fois. Ciao.